Lionel Raymond, viticulteur à Bordeaux, en bio, donc Château de la Garde, Château Baron Fillon qui est présent chez lui aussi, donc une propriété familiale depuis 8 générations maintenant, qui est en bio depuis 2000. C'est plus difficile de faire du bio à Bordeaux qu'en sud-est, quoi. C'est plus compliqué. Parce qu'on a plus de maladies, parce qu'on a un climat tempéré, parce qu'on est un peu plus océanique, parce qu'on a moins de vent, parce qu'il y a tout un tas de facteurs qui font que c'est un peu plus compliqué. Quoi. Sur Bordeaux, on est quand même sur des vins d'assemblage, donc pas des vins de cépage, où on va travailler sur des assemblages entre le Sémillon et le Sauvignon, donc sur des assemblages qui sont à 10-20% près par an, quoi, qui dépendent vraiment de mes goûts. Il y a beaucoup de fraîcheur, mais il n'y a pas trop d'acidité. On a le fruit qui monte de suite, on a une linéarité en dégustation. Moi, ce que je prône sur tous les vins, je déteste les vins menteurs. Le vin qui va vous donner un bonnet, une belle attaque, et pouf, qui tombe derrière et qui repart derrière. C'est une petite réussite, ça. Mais c'est une appellation qu'on a fait renaître, qui n'existait plus en blanc sec, qui est le Côte de Bordeaux-Saint-Macaire sec. Ça n'existait plus, il n'y avait que du moelleux. On a fait renaître ça. Voilà. Donc Emmanuel Cazes, vigneron et responsable technique de la maison Cazes à Rivesaltes dans le Roussillon. C'est un domaine qui regroupe presque 200 hectares de vignobles, donc entièrement travaillé en agriculture biologique. Et nous avons développé une activité de négoce qui se consacre à des crus haut de gamme, donc pour travailler sur des vins et sur des terroirs très qualitatifs, notamment donc la Tour de France, Collioure, un Fitou. Sur le Fitou 2009, on est sur un Fitou d'altitude, donc sur des terroirs calcaires qui vont donner un Fitou sur note de fruits, de garrigues, donc un Fitou très facile à boire, assez gourmand, assez riche, donc qui peut se boire jeune mais aussi qui peut vieillir. Mais c'est vraiment un fitou très abordable. On va trouver un petit peu de notes, voilà, d'épices noires, une petite note de cuir, de garrigue. Et la bouche, par contre, c'est du fruit rouge. On est dans la cerise de Burla, on est dans les fraises écrasées, on est vraiment sur ce côté très, très, très chaleureux, très jovial. C'est un vin, voilà, qui est concentré, mais concentré avec des tanins mûrs. Donc c'est un vin qui est très facile à boire et très, très abordable. On présente une autre cuvée qui est un Collioure. Alors le Collioure est un cru qui est très particulier, c'est une toute petite appellation qui est vraiment à la limite de la frontière espagnole. Et ce sont des magnifiques terrasses de schiste qui vont se terminer dans la mer. Donc c'est un cru qui est très rare, qui est fait à base de très, très vieilles vignes, de Grenache, de Carignan aussi. C'est vraiment une cuvée assez exceptionnelle. C'est un vin très concentré avec beaucoup de caractère et qui aussi connaît un très très beau succès.